Aujourd'hui, le feu follet. Alors, Nick, tu te dépêches. Je vous donne la monnaie tout de suite. Regardez, messieurs, un porc endimanché. Fouillez l'auberge. Et partout. Si on le trouve ici, vous serez pendu, Madame Smith. Si on trouve qui, Capitaine Spiker? Le bandit que je pourchasse. Il n'y a aucun bandit ici, Capitaine. Ah, moi j'en vois un. Votre langue vous coûtera cher un de ces jours. Ça vous intéresse, capitaine, la pendaison de Dick Turpin? Enfin, Turpin a été pendu. Exécuté à York, capitaine. Et les curieux l'ont regardé se balancer. Sortez, je suis occupé. Mais, Sir John... Écoutez, Spiker, je ne vous ai pas employé pour chasser les revenants. Turpin m'a rendu malade pendant des années. Inutile de le ressusciter. L'homme exécuté à York n'a jamais été Turpin. C'est très drôle. Alors, qui était ce monsieur? Il s'est fait passer pour lui durant des mois. Ça a effrayé ses victimes et camouflé ses forfaits. Ridicule. Alors, dites-moi, comment Turpin a-t-il pillé le Bristol Coach le matin et le Dover Mail l'après-midi du même jour? Un des hommes qui a pillé ses voitures était un imposteur. Et c'est l'homme qui a été pendu à York. Votre idée du nom d'emprunt, Spiker, me paraît idiote. Vous avez déjà vu des pendaisons, Sir John? Ça m'est arrivé. Eh bien, la foule hurlait, lançait des fleurs. L'homme a été obligé d'assumer son personnage. Vous délirez, Spiker. Vous nagez dans le ridicule. Deux Turpin, pourquoi pas une douzaine? Je vous conseille de ne plus vous faire aucun souci. Vous entendez, Spiker? Vous l'avez chassé pendant si longtemps que vous vous sentez frustré à l'idée que Turpin soit mort. À cet instant, il est probablement en face du diable. Écoutez-moi une seconde. Je veux que la dénommée Smith et son bâtard quittent l'auberge dès demain matin. À vous de la faire payer. C'est légal, je crois. Et je suppose qu'elle sait lire un contrat. Et si elle payait? 20 guinées, ça fait de l'argent. Si elle paye, elle restera. J'aurai la ressource d'augmenter le loyer. Bonne nuit, Spiker. Hé, hey, Spiker, ne chassez plus le fantôme, mon garçon. Arrête! Ta bourse! Mais je n'ai pas le moindre sou! T'es un menteur! Non, 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 ne tirez pas! Descends! Et donne-moi ta bourse. Thank you.
Évite de faire des histoires. Mais elle appartient à mon maître, que lui dirais-je? Que tu es tombé sur Dick Turpin, c'est tout. Turpin? Mais Turpin est mort. J'ai l'air d'un revenant. Mais mon maître ne me croira jamais, il m'accusera de l'avoir volé. Ouais, c'est un risque à courir. Non, attendez, attendez. Si je portais des traces de violence, il me croirait plus volontiers. Des traces? Ben, j'aurais l'air d'avoir défendu son argent. Si vous tiriez dans mon chapeau, deux trous suffiront. Jette-le par terre. Oh, merci, c'est bien. J'ignore qui tu es, collègue, mais tu n'es pas moi. Toi, et si je te donnais une fessée? J'en ai assez de tous ces blancs becs qui se prennent pour moi. Je trouve ça assez déloyal. Repars chez ta mère. Mais Spiker nous jettera la rue si Sir John Glutton ne touche pas 20 guinées. Il faut que je les trouve quelque part. Et si tu priais pour un petit miracle? Allez, à cheval. Tiens. Fallait le demander poliment. Allez, va-t'en. Le délai est passé. Vous n'allez pas nous expulser. Tu as dit exactement le mot. Ou on paye, ou on s'en va. Oh, capitaine! Rien à faire. C'est la loi. Oh, capitaine, je vous en supplie. Tu auras tout le temps pour supplier. Maintenant, on prend son baluchon et on sort d'ici. Oh, donnez-moi encore une semaine. Pas une autre seconde. Le non-paiement d'un seul loyer entraînera l'expulsion de la dite Mary Smith et de son fils Nicolas. Oh, vous n'avez aucune pitié. Oh! Évacuez les lieux. 20 guinées. Prenez et sortez. Où as-tu volé ces pièces? Cet argent, on me l'a avancé. On te l'a avancé? Oui. Magnifique. C'est une bonne surprise. Elle dit qu'on lui a prêté cet argent. Alors admettons-le, Spiker, il faut que tout demeure légal. Après tout, je suis le maire de ce comté. Et dis-lui de rester pour le moment. Rock'n'roll! Tu peux rester. Dieu soit loué. Oui, aussi les 20 guinées. Un peu de vin, capitaine. Merci. Tu as emprunté cet argent? Les 20 guinées? Oui. Et à qui? Un ami. Un très vieil ami. Je pense savoir lequel. En route! Pourquoi sortir? Il faut avertir, monsieur Turpin. Non, Nick, reste là! Monsieur Turpin! Monsieur Turpin! Monsieur Turpin! Ah! Ah! Allez! Monsieur Turpin! Monsieur Turpin! Tu veux donc qu'on me pende ma parole? Mais Spiker a tout compris! Au diable, ton Spiker! Je vais prendre mon argent! We'll be right back.
entendu, tu entends? On ne pend pas les gens deux fois. Descendez. Arrête! Tapez! Attrape-le, Ned! Attrape-le, vite! Oh. Mon petit doigt me dit que ce n'est pas à vous. Allez, retirez vos bagues. Ça, jamais de la vie. Ou je tire. Ça éclate vite une tête. Hein? Voilà, c'est bien. Je vous remercie. Hey, hey! Ah! Spike! Idiot! Incapable! Je t'enverrai au gibet. Je te ferai pendre haut et court. Ça ne va pas, Sir John? Quoi? Quoi? Tu vas te taire, hein? Il a pris mon émeraude, ce malin m'a assassiné. Oh. Quant à toi, puisque tu veux jouer les gibiers de potence, je vais te faire une promesse. Tu vas savoir ce que c'est qu'une potence. Ils vont le pendre demain. Oh, crois-tu vraiment qu'ils le pendront? Ils ont exécuté un gosse de 10 ans pour vol de pain. Est-ce que c'est ça, la justice? Oh, Mary. Y a-t-il une justice? S'il y avait une justice, je ne serais pas un voleur. Tu penses à ta ferme? Oui. Souvent, j'ai pensé à ma ferme en combattant pour la liberté. La liberté. Glotton a tout pris. Ma ferme et tout ce que je possédais. Tout a été légal, bien sûr, et mes parents sont morts de faim. Le retour a été plutôt pénible, et je te jure qu'un jour ils me le paieront. Qui paiera? J'ai juré de ruiner Glotton et ses amis avec lui. Je lui ferai pisser le sang jusqu'à la moindre goutte, et je ferai ma justice. Et si tu le faisais pour Nick? Pour toi, pour moi, en souvenir du passé. Tu te souviens du passé? Où ont-ils emmené Nick? Chez Sir John Glotton. Mais si je réussis, Marie, si j'arrive à le libérer, tu sais très bien qu'ils le reprendront, il y a une bonne chance. Oh, peut-être pas, s'il part avec toi. Avec moi? Marie, tu divagues complètement. C'est un garçon bien. Il t'écoutera, il fera tout ce que tu lui apprendras. Enfin, c'est insensé. Écoute-moi, Marie, je ne suis pas un maître d'école. Je suis un bandit. Oh, je t'en prie. Non, Marie, non. Marie. Oh, Marie. C'est bien pour toi que je le fais. Mon brave. Je suis malade. Allez voir un docteur, alors. Mais vous êtes docteur. Oui, mais je suis beaucoup trop cher pour vous. Oh, j'ai trop mal pour bouger. J'arrive. Ah, oh là. Aïe. Oh, c'est mon cœur qui bat trop. D'un seul coup, je me sens bien mieux, moi. Oh, faut vous couvrir. Eh oui, ah ben ça oui. Oh là, à qui le dites-vous, hein? Vous en êtes sûr, hein? Bon, faisons l'inventaire de votre trousse, vous permettez? Voyons. Pilule, bandage, ah, laudanum, bien. Je reviens tout de suite, mais j'ai un autre patient qui attend à Rockham Hall, un de ceux qui peuvent me payer. Hey.
D'où sors-tu ça? De la maison d'un mourant. Mourant? Oui, même un mort. Mort? Bon à être enterré. T'es sûr? Turpin, tu es sûr qu'il est mort? Tu le jures? Douteriez-vous d'un docteur? S'est repenti sur le tard et a demandé qu'on vous rende cet anneau, c'est sa dernière volonté. Rien que cette bague, c'est tout? Eh oui. Le démon, il aurait pu me renvoyer mon émeraude. Oh, excusez-le, il n'avait plus sa lucidité. Qui l'a tué? Oh, mais... personne ne l'a tué. Alors comment est-il mort? Très péniblement. De la peste. Peste! Oh, doux Jésus, tu es sûr? Je ne connais que trop cette horrible maladie. La fièvre brûlante. La douloureuse agonie. Ensuite, le silence. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! C'était terrible à regarder, terrible. Il a condamné le petit en s'en allant. Le petit? Mais quel petit? Le gamin qui lui a passé la peste. Et la Marie a été mise en terre ce matin. Mais il est ici. Quoi? Le petit est ici. Le petit est ici. Dans cette maison? Oui, oui. Alors, ne perdons pas une seconde. La prudence impose qu'il parte avant de vous contaminer. Oh, il avait pourtant pas l'air malade. Ah, mais c'est bien ce qu'il y a de plus dangereux. Donnez-moi ce verre, vite. Hein? Et où est le garçon? Oh, c'est le sous bonne garde. Oh, mais vous allez me sauver. Eh, buvez ça. Vite, buvez. Tout. Conduisez-moi au garçon. Non, je reste ici. Briggs, allez-y. Allô, Briggs, soyez courageux. Conduisez le docteur à la cellule. Oui. Allez, vite, dépêchez-vous, Briggs. Je crois que je l'ai attrapé. Relâchez le prisonnier. Ordre de Sir John. Quoi? J'y comprends rien. Le garçon qui est là est atteint de la peste. La peste? Oui. La peste. la peste. Sir John. Sir John, réveillez-vous. Sir John, réveillez-vous, je vous en prie. Turpin. Ah! Docteur Turpin! Prends la carriole! Fais ce que je t'ordonne! L'épée est réservée au nord de Turpin. Alors changez d'arme. We'll be right back.
Lâchez vos armes ou je l'abats. Dites-leur. Autrement, c'est votre pomme d'Adam qui va prendre. Faites pas les idiots! En arrière. Vous donnerez un message à votre patron à son réveil, Spiker. Désormais qu'il laisse Madame Smith tranquille. Autrement, je brûle Rouquamole de la cave au grenier. Vous avez compris, Spiker? Je lui dirai. C'est très gentil à vous. Allez, petit! J'ai dessanglé la selle. Maintenant, tu feras ce que je dirai. Ah oui, monsieur Turpin. Oh, arrête de m'appeler monsieur Turpin. Sinon, on va avoir toute l'Angleterre sur le dos. N'oubliez pas que je vienne avec vous. Et qui t'a donné cette idée? De toute façon, maître Nick Smith, non. Feu Follet. Feu Follet? Oui, le roi a nommé ainsi un fameux schnappant. Je te le transmets car je souhaite que tu aies sa chance. Nous sommes liés maintenant tous les deux. Fais ce que je te dis et on pourra peut-être s'en sortir. Bon, alors où allons-nous? Le plus loin possible, Nick. Le plus loin possible et au galop!